Non, t'inquiète. Bon, c'est parti. Yeah, yo, tout le monde, je suis avec Graou, nanana, on va faire un let's play. Nanana, c'est parti. C'est le gars. Ça se voit que le... Ouais, c'est genre... Avant, c'était cool, hein. C'est genre, hey, yo, les amis, aujourd'hui, on se retrouve sur Horror Kingdom, hein. On va faire un petit let's play avec Graou, hein. Comme vous pouvez voir, il y a plein de classes de ouf et tout. On a le bouclier, on a la hache, on a le double lame. On a les guns, on a le, je sais pas comment ça s'appelle, canon. On a aussi la classe harpe. Et écoutez, bâton, ainsi de suite, grimoire, quoi. Ouais, voilà, griffe, archer, tachi. Et on a aussi la faux. La faux qui est, c'est une classe vraiment très très sympa. On a aussi la classe ouais, épée sacrée, elle est vraiment magnifique. Franchement, moi je l'ai essayé dès le début, mais voilà, je me suis pas attaché, voilà, parce que moi je suis un petit curieux, j'aime bien partir par là, par-ci, hein. Du coup, voilà. Très bien. Là, ça c'était cool. Ok, donc je vous présente Graou. C'est un, on va dire pour moi c'est un poteau parce que c'est le seul qui est resté fidèle. C'est l'un des membres d'une guilde que j'avais créée sur Twin Saga. Oui, je peux le dire. Et alors, le jeu il est sorti il y a quelques temps et on a essayé le jeu et on a joué énormément ensemble. Et après il y a eu un temps où il avait arrêté parce qu'il avait trouvé un travail, etc. Du coup, il pouvait plus jouer. Bah oui, t'as une vie, mais t'avais aussi trouvé un travail. Et moi aussi j'avais fait la même chose, hein. Moi quand je travaillais, franchement, les vidéos, ça rentrait pas. Hein. Du coup, je m'en fous, mais oui, je dis la vérité. Au moins, moi, je cache pas à mes abonnés ce que je fais ou autre, tu vois. Et du coup, on est resté en contact jusqu'à maintenant. On joue encore ensemble quand on a le temps ou surtout en ce moment vu que il est dispo, ben on a le temps de jouer de temps en temps ensemble. Du coup, voilà, c'est cool. Donc voilà. Aujourd'hui, on s'est décidé de créer un personnage. Moi, je vais faire la classe H. Ou double lame, mais je sais pas encore si à distance. Ok. Shuriken, ouais, mais j'ai déjà un personnage sur le compte Heathcliff, mais il est level 29, je crois, mais non. Je pense que je vais changer un peu. J'ai déjà joué grimoire, bâton, j'ai pas vraiment. Si j'ai un personnage assez haut niveau. Gun, ça me tente bien, mais non. La faux, j'ai déjà un perso dessus. Ouais, je pense que Shuriken, je vais partir dessus parce que c'est la seule classe que j'ai pas monté jusqu'à un certain niveau. Mais j'en ai déjà un, level 29, du coup, ça me fait chier de refaire un autre perso, tu vois. Non, je pense que je vais partir sur la hache. Comme ça, regarde, toi, épée sacrée plus la hache, et j'ai même pas les mots comment on va les démonter, tu vois. Ok, les gars, moi je vais partir sur la hache et lui, c'est sur la classe épée sacrée. Et comme d'habitude, je m'appelais Heathcliff. Mais je suis sûr qu'ils ont déjà piqué. Ce nom est disponible. Oh non, les gars. Oh, faut arrêter. Hein. J'ai même pas encore fait le personnage. Alors, comment on va le faire? Sérieux? Attends, peut-être Heathcliff, il est disponible. Ah ben non, je l'ai utilisé. Du coup, je vais mettre G comme gamer. Pour les yeux, toujours vénère, hein, comme d'habitude. Pour les cheveux. Je vais partir sur des cheveux assez classiques, pas trop longs, parce que, tu sais, à chaque fois, je fais toujours des cheveux assez longs, et c'est chiant. Telle la toute première coupe quand j'avais commencé au Horror Kingdom, quoi. Ah, tiens, je vais prendre celle-là. Les yeux, écoutez, je vais partir sur des yeux noirs. Et la couleur de peau blanc. Je sais pas pourquoi, tu sais, je suis un extraterrestre, le gars. T'as quoi comme familier, toi? Astro? T'as pris qui? Je vais prendre la fille. Attends, ouais, je vais prendre la fille. Parce que elle peut healer un peu, tu vois. On crache pas sur le heal. Ouais. Du coup, moi j'ai pris la petite fille. T'es déjà une game là? Bah oui, je t'attends. Ok, moi je vais juste recommencer. Hop. Je m'équipe de tous ces machins là. Bonjour Anelas, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ok, très bien. Attends, je suis en full HD là?
Maximum, ouais, a priori. On ne dirait pas. Très bien. Accepté. Dans un instant, je serai là. Qu'est-ce que c'est? Moi, je t'attends au lapin. Je fracasse des lapins. Le mec, il viole les lapins en attendant, c'est... C'est serré, les lapins. Alors, let's go. Attends, t'as du temps, t'as dit, tu finis, t'as jusqu'à 20h30. Ouais. Bah, je pense, on va pouvoir faire au moins 2-3 let's play, je pense. Ça me fera un peu de contenu, ouais. Pour l'avenir. Oui, hein. Parce que la dernière fois qu'on avait fait un let's play, en fait, on avait juste, un épisode. Et on avait fait que un épisode, après on est parti. Enfin, après, il n'y a plus eu de nouvelles, quoi. Et je suis même pas sûr que j'avais mis en ligne cet épisode, donc j'avais pas trop le temps, je pense. Ah bah après, franchement, je suis content du PC que j'avais. Franchement, c'était pas aussi cool, quoi, tu vois. Alors que là, tu peux te faire plaisir, tu vois. Hop, 80. T'es déjà... Je suis en train de parler avec André. J'entends défoncer je vais défoncer le chevalier noir. Moi, je suis dégoûté parce que je suis l'un des fondateurs du jeu. Enfin, quand je dis fondateur, t'as compris, hein. Genre, bêta fermée, tralala, tu vois. Et, la moitié des gens que j'ai côtoyés, en fait, eux, ils ont déjà défoncé le chevalier noir et moi, non. Pas encore. Parce que la classe que j'ai, la classe heal, en fait, elle dépèse pas autant. Et du coup, ça m'a vraiment dégoûté. À chaque fois que je compte à faire des machins, je prends trop de temps pour les défoncer. Du coup, ça me dégoûte. Eh oui. Tu veux mieux aller chez moi? Bon, j'en sais rien, je sais même pas. Mais la dernière personne qui m'avait dit, là, il est level 85, je crois. Mais, tu sais, moi, je m'en fous. En vrai, que je sois chevalier noir ou pas chevalier noir. Ouais. Ah là, les gens, je suis sûr, regarde. Sur mon écran, quand tu verras la vidéo, sûrement, tu verras une espèce de croix qui apparaît juste à côté, en bas du Skype. Ce croix-là, en fait, c'est les ventilateurs, si je veux les réguler ou pas. Ah, j'aime pas la cinématique, putain. Mais attends, mais pourquoi je peux pas échapper? Tiens, ils forcent les gens à regarder leur cinématique à la con, là, c'est bon. Oui, je suis méchant, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'est bien, t'es contente. T'as fait un duel, t'es niveau 18, je suis niveau 3, t'es content. Je vais mettre bravo. Ok, là, le gars. Attends, il y a un gars qui t'a défié alors qu'il est niveau 18. Ah oh, putain, mais tu m'as défoncé, mon gars. Ouais, c'est bon, je suis là. Je suis paré. Ouais, t'es déjà en train de défoncer des lapins, là. T'es canal combien en parlant? Tu t'es appelé comment? Graou, lol. T'es sur les lapins bleus ou les lapins blancs? Lapins rouges ou blancs? Ah, c'est bon, moi aussi je te vois. Ah, c'est lui là, c'est... Ah non, je croyais que c'était... Il est beau, c'est tout pareil. Sérieux? Ah, mais toi, ta coupe, elle est plus stylée. C'est comme quoi, j'ai toujours du mal à faire des beaux personnages. Attends. Ah ouais, putain, BG toi. Voilà, le petit Graou qui sort sa petite épée nounée. Bon, les gars, on va commencer les quêtes. Tu seras un peu avancé plus que moi parce que... Putain, c'est... Comment ça se fait que t'as plus de PV que moi? C'est ta classe, non? Je peux la jouer tant, et puis j'ai deux niveaux de plus que toi. Ah ouais, c'est vrai.
l'autre qui s'appelle Shiro, tu sais. Tu sais, ça me fait penser au début quand j'avais commencé le jeu, je passais mon temps à être ici. Genre, à squatter ici avec des noobs. Bah oui. Tu sais, t'as fait un peu comme l'autre, en fait, il a fait, tu vois. T'es venu défoncer les noobs. Non, je les défonçais pas, moi. Moi, je les aimais bien. Parce que moi, regarde, je restais assis là, et tu voyais plein de gens qui arrivaient et tout, en mode... Ouais. Et tu vois le mec, il arrive dans un autre compte, il vient de parler. Tu veux faire un duel? Ouais, si tu veux. Et là, toi, tu cliques, tu dis, ouais, je vais te défoncer, alors que c'est toi qui te fais défoncer. Lol. Ah. Moi, ça va. Moi, vu que j'étais heal, bah, en fait, les gens, ils me disaient quoi? Enfin, vu que je suis heal, parce que mon compte principal, mon personnage principal, c'est un heal. Les gens, ils disaient que les heals dans ce jeu, ils étaient cheatés. Bah oui. Un vrai heal? Ouais. Les heals que tu tues, c'est... Bon, je critique pas les heals. Mais là, ça veut dire rien de souci, les gars. Faut revoir le stuff. Ah, c'est vrai, hein. Ah, le stuff, il a un petit souci. C'est bon, t'as... Ah, toi, t'as déjà fait tout ce que j'ai fait, là. Ouais, je t'attends au chef. Ah ouais, c'est pour ça que t'es niveau 3, alors. Bah oui. Moi, je croyais que c'est en défaussant les mobs. J'ai passé un niveau en défaussant les mobs. Ah bah, ça va. Par contre, la lenteur du truc, je déteste le début. J'ai hâte d'avoir le dragon, putain. Le dragon. Ouais, j'ai gros abam. Gros âme, gros papa, un truc, j'en sais rien, moi. Gros truc. Juste question. Les let's play, on les fait 30 minutes ou 25 minutes? C'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Je suis là jusqu'à 9h, en max 9h. 30 minutes. Parce que y a des fois, bah, en fait, des fois, je fais en speed. Genre, j'ajoute quand même pas mal de vitesse. Pour que... Que déjà ça va vite et pas qu'on se fait chier, quoi. Surtout quand tu regardes la vidéo alors que c'est trop lent. Moi, je déteste les gens qui mettent des vidéos alors que c'est trop lent. Une vitesse normale. Ouais. Je me mets toujours à la côté des gens qui regardent, tu vois, ils doivent se dire, mais en fait, il s'est rendu compte qu'il prend trop de temps. En plus, quand il parle, il dit rien. Lol. Mais gros, t'es où, wesh? T'es parti. Je suis à 4, je suis aux antilopes plutôt. J'ai pris 78% autour des antilopes en t'attendant. Attends, les antilopes, c'est pas... Ah ouais, si, c'est le gros truc bizarre, là. Les chèvres. Alors, dégâts ou critiques? Enfin, ah, dégâts critiques. J'ai déjà une hache montée, mais level 65, je crois. Putain, ce jeu, j'ai kiffé ce jeu au début, mais maintenant... Ah, vu qu'on connaît le début par cœur, c'est plus autant amusant que... Que la première fois. Ah, c'est vrai. Non, mais moi, franchement, moi, ce jeu, quand tu commences le jeu, quand tu recommences le jeu, en fait, c'est cool. Mais quand tu le joues avec quelqu'un, c'est cool. Mais quand tu le joues tout seul, en fait, ben... Ah, bah c'est long. Ouais, sur le coup, tu dois dire, ouais, c'est trop cool, putain, ça fait trop du bien de retourner dans ce jeu. Et au final, ben, tu te rends compte qu'en fait, que quand t'es tout seul, ben, tu te fais chier. Et t'as personne à qui parler. Quand t'avances, mais t'avances trop vite, du coup. Mais moi, la seule map que je peux pas saquer, c'est la map là, comment elle s'appelle, la deuxième map. Ah, je l'aime pas celle-là. La colline croissant, je crois quoi là. Ouais, celle-là j'aime pas, j'arrive pas à la saquer, cette map. Elle est longue. Ouais, très longue. Si t'as pas une classe qui déboîte, en fait ça sert à rien. Tu t'as qu'à prendre un forfait et rester assis et regarder les autres monter de niveau. T'as toujours la quête de défoncer les cyclopes? Oh non, j'ai fini. Oups, désolé. Ah non! Ah ouais, désolé. Ouais, je dis désolé moi alors.
Comment qu'il se la pétale, le gars? Bah, tu sais, la hache, elle est faite. Je déplace les plus costauds en attaque pure. Ouais. Moi, je sais que la hache, quand elle était limite cheatée. Mais les gens, ils l'aimaient pas, hein. Je me rappelle très bien comment on défonçait les mobs. En PVP, laisse tomber, hein. Toi, t'arrives avec ta petite classe. Même les heals, je te jure, les heals, ils arrivaient à rien faire devant. Tu peux être un putain de heal à healer de ouf, mais t'as la hache devant toi, tu fais moins le malin. Parce que le mec, il saute, il te stun déjà. Le temps que toi, tu réagis, t'es déjà mort. Et il t'envoie son tourniquet infernal, là. Ouais. Et à pas juste ces deux-là, c'est bon, t'es mort. Bah, moi, au tout début, quand il y avait le jeu, la hache, je la trouvais vraiment renaise, hein. Pour moi, elle était vraiment dégueulasse, cette classe. Et au fur et à mesure, quand tu vois les gens la jouer, putain, tu te dis, waouh, mais en vrai... Ouais. Alors qu'au début, franchement, moi, franchement, c'est franchement que je vais faire ça, hein. Parce que dans tous les jeux que je joue, je commence par jouer tank. Après, je me rends compte qu'en fait, il y a le heal. Parce que là-bas, je me dis, ouais, tu sais quoi, je vais me taper un DPS de ouf et tout. Au final, non. Je me tape toujours des classes de merde. Et le heal, je me rends compte que le heal ne heal même pas. Comme dans une saga, putain. Mais dis même pas, je regrette d'avoir testé la classe heal là-bas, quoi. Allez, merde. Déjà, les soins sont dégueulasses, alors... Bah, même ça, plus le temps passe, plus les sons ils font n'importe quoi. Alors... Ouais. Non, d'un côté, oui, ça ressemble à Aura. Mais quoi, les armes qu'ils ont juste fait copier-coller sur Aura, les mettre là-bas. Il y a des coupes là-bas, il y a des danses de Aura que tu trouves là-bas. À part ça, il y a quoi? Oh, la blonde dorée, quoi. Bah, elle est pas en or, hein, je sais pas, mais... Elle est en argent, la chose. Ah, le boss violeur, là. Ouais. Ah, le boss. Je vais défoncer David. Sur Aura Kingdom, les créateurs, ils étaient encore racistes, tu vois. Ils aimaient pas les noms. Les noms, comme ils ont mis sur Twin Saga. Non. Ils se sont dit, non, c'est trop... ce moment avec les événements. Avec les attentats et tout. Alors que quand tu rentres sur le jeu, toi tu es une saga, tu débarques et tout, et tu vois un gars qui s'appelle Mohamed, et tu vois le PNJ Mohamed, tu dis, ça va. Ça va, ça choque pas, parce que dès le début, en fait, quand tu vois ça, tu dis, non, ça choque pas, c'est pas choquant. Et tu dis, alors que sur Aura Kingdom, tu vois un gars qui s'appelle Ahmed, dans le jeu, tu vois pas Ahmed, tu dis, pas très, c'est pas rassurant, tout ça, Ça, c'est... On n'est pas des racistes, hein, on le dit tout de suite. Non, je suis pas raciste, j'aime juste pas les noirs et les arabes. Ouais, nous aussi on t'aime pas, t'inquiète pas. Hein. Chacun sa raison. La blonde dorée, à mon avis, elle vient juste de commencer le jeu parce que. Coco, on peut pas mélanger. On peut pas mettre des blondes dans un jeu. Il y a Rose démoniaque niveau 25 qui est sur Vivien, caché dans un arbre. C'est bon, tu me vois pas. Ça va être ça. Genre, t'as déjà défoncé l'espèce de truc, là. Ah bah oui. Le mec, il arrive, tu sais. Putain, le mec, il défonce David Guetta en moins de 2. Rose démoniaque. Ok. Ah, mais tu me diras. Ah, mais moi, le seul donjon que j'ai vraiment adoré quand j'avais... Comment tu sais? Moi, ce donjon, franchement, je l'ai kiffé. Énorme. Ça dépend si t'as une bonne classe aussi qui est rentable pour jouer tout seul. Franchement, c'est énorme. Quand t'as par exemple la hache, bah, tu sais que tu passes en mode easy, quoi. Quand je regarde avant, les gens, au moment où ils rentraient dedans, ils se faisaient one shot. Mais pourquoi je meurs? Bah, écoute, parce que t'es mal stuffé, déjà, de 1. Là-bas, les mobs, ils te font pas de cadeaux, tu vois. Moi, je me rappelle, une fois, on a joué au difficile, il y avait les gemmes et tout. Et, au moment où on était tout à la fin, en fait, bah, tout le monde s'est fait défoncer sur les gemmes. Ah,
Attends. Il est là? Je commence. Ah, il pique quand même. Yep. Merci pour le stuff, mon pote. Eh oui, merci pour le coffre. Il y a eu quoi dedans? J'ai eu des Pendragon. J'ai eu du Père Azur aussi. Putain, les gars, ils se la pètent parce qu'ils ont des ailes et tout, tu sais. Vous allez voir, nous, quand on va... On sera un peu OP. Ouais. Bah moi le saut là, tu sais quand tu planes, je l'ai enlevé. Genre le R pour moi il me sert à autre chose que le saut de merde là. Ouais. Le R c'est pour mes sorts. En fait j'ai réorganisé mes trucs du coup bah ça me fin c'est plus chouette de jouer comme ça que parce que là je place des sorts genre par exemple des sorts. C'est qui ça? Je m'en fous de ton message, wesh. Genre, par exemple, tu vois, les sorts que tu peux invoquer, ils donnent des boosts en plus. Bah, j'aime bien les placer sur L ou, Non, moi, vu que j'ai des macros sur la souris, tu vois, enfin, j'ai beaucoup sur la souris. Donc, ouais. Et alors, je joue en défense ou en, enfin, je joue en attaque ou en défense? En tank ou en dégâts? Dégâts, wesh. On n'a pas le temps à perdre. Dégâts, wesh. Ok, donc on va jouer en dégâts. Bah moi je suis sûr qu'à partir de level 45 je te jure qu'on va déboîter hein. Ouais. Attention j'arrive. Mais ça prend une de ces zones aussi cette attaque, c'est abusé. Eh moi non. Non mais moi j'ai un niveau en plus parce que j'ai attendu avec le ventilateur, mais j'étais pas content. Ouais. Il y a la quête du. Plus fort. Ouais, je vais le faire, je vais la faire aussi. Mais c'est cette quête, elle me saoule. Hein. Ah, je m'en fous, moi j'ai. Alors, noyau. Mais arrête, mais c'est quoi? Alors, il faut faire déjà, l'alliage, il est déjà bon. Ok. Donc, il faut aller sur noyau, armure. Oh, bah, elle est nickel, je vais tout critiquer ce qu'il faut. Tu vas sur noyau, armure. Ah, ouais, c'est bon. Trophée forestier. J'ai eu dégâts PV. Ça va. Oh, hein. Toi, là, ah, c'est bien. Quoi. Ouais. Merde, moi je me barre, j'ai même pas encore activé machin la quête. Alors, le gars s'est dit, oh monsieur, ici, hey. S'il vous plaît, revenez ici. Alors, la hache de guerre, de dégâts. Ok, c'est cool ça. C'est qui ça? Mia Sikia. Pourquoi tu sais pas appeler qui habite en petit? Qui le tout? Énorme. Hop, terminé mon pote, qu'est-ce qu'il y a? Attends. T'es où la famille? Attends, la famille Hamson, parce qu'il faudrait qu'on arrête le let's play. Pourquoi? Bah, pour refaire un autre. Bah oui. Vas-y, je suis fort de ce qu'on dit.
Attends, le pute là, il me donne le truc. C'est bon. Excusez-moi des gros mots, c'est normal, c'est des blagues. C'est des... Oh putain, les jeunesses. Alors, il est où? Il est où ce Graou? Elle est là! Et voilà, les amis, en tout cas, j'espère, enfin, on espère, parce que j'ai trop l'habitude de faire des vidéos tout seul, du coup. Je dis, j'espère, non, on espère que ce petit let's play du premier nom, c'est lol, vous aurez plu, hein, j'espère, enfin, en tout cas, c'est notre cas à nous. On a eu notre bibine et tout. Ça fait plaisir. Et nous, on vous donne rendez-vous sur le prochain épisode, hein, parce qu'il y aura, oui, il y aura un deuxième, peut-être un troisième, peut-être un quatrième, peut-être un cinquième. Il y aura peut-être des milliers. Voilà, tout à fait. Donc, tout à fait, c'est un Pokémon. Hein. Le gars, c'est un blague pour rien. Donc, sur ce, bah, écoutez, on vous donne rendez-vous sur l'autre épisode et prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.